Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour cette fois-ci un tutoriel pour avoir le fameux personnage zombie sur le multijoueur de Advanced Warfare, car vous avez été vraiment nombreux à me l'avoir demandé. Donc pour commencer, vous devrez tout simplement aller en exo survie et vous devrez aller en partie privée et par la suite aller dans les cartes et vous allez pouvoir apercevoir que déjà vous aurez en gros niveau 1 et vous aurez 4 cartes du niveau 1 que vous avez déjà débloquées et juste à votre droite, et ben vous allez pouvoir apercevoir qu'il y aura et ben le niveau 2 avec encore une fois 4 autres cartes. Et donc arrivé sur cette carte du niveau 2, vous allez pouvoir apercevoir qu'il a marqué de finir au moins 50 manches dans les cartes du niveau 1. Donc en gros, et ben vous devrez faire 50 manches sur une ou sur les 4 cartes de la catégorie des maps niveau 1. Donc vous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire les 50 manches en une seule partie, vous allez pouvoir le faire en autant de parties que vous le souhaitez, c'est pour ça que c'est vraiment hyper simple. Et donc après, une fois que vous avez débloqué le niveau 2, et ben vous devrez faire exactement pareil pour débloquer le niveau 3, donc cette fois-ci ça sera 75 manches en jouant dans les cartes de la catégorie des niveaux 2. Et donc après, une fois que vous avez débloqué le niveau 3, et ben vous devrez faire 100 manches sur une des cartes du niveau 3. Et en gros, vous allez parvenir à débloquer la carte Riot. Et donc une fois que vous avez débloqué cette fameuse carte, et ben vous allez tout simplement devoir lancer la partie dessus et arriver à la manche 10. Une fois que vous l'avez terminée, et ben en gros il va y avoir une cinématique et vous allez tout simplement arriver dans le mode zombie de Advanced Warfare. Y arriver dans ce fameux mode zombie là, et ben vous devrez tout simplement survivre jusqu'à ce qu'ils vous disent de fuir. Donc moi pour ma part, j'avais trouvé un petit glitch et donc je me suis mis dedans pour être tranquille. Et donc après, une fois qu'ils vous disent de fuir, et ben vous devrez tout simplement fuir. Et donc une fois cela fait, et ben vous allez donc avoir une énorme cinématique qui est vraiment super bien faite, où votre personnage va donc s'enfuir. Et donc une fois que cette cinématique est passée, vous allez donc avoir une victoire et tout, et vous devrez tout simplement quitter le mode survie d'Advanced Warfare et vous devrez aller en multijoueur. Et arriver sur le multijoueur, et ben vous allez pouvoir apercevoir que vous allez débloquer énormément de choses qui seront en fait un homme en zombie ainsi que pas mal d'équipements. Donc c'est vraiment énorme et vraiment super simple. Et donc en gros, vous aurez juste à débloquer la carte Riot en exo survie et à fuir aux zombies et vous allez pouvoir débloquer ce fameux zombie qui est vraiment superbe. Donc moi pour ma part, je l'ai fait en une soirée, c'est à dire que j'ai commencé ma exo survie à environ 1h du matin et j'ai terminé à 6h du matin avec mes amis. Et en gros, vous allez pouvoir le faire en quelques heures seulement, donc c'est vraiment superbe. Et donc voilà, moi pour ma part, quand je joue en ligne, il y a beaucoup de personnes qui me regardent et même mes alliés, parfois ils essaient de me tuer parce qu'ils croient que je suis un zombie, donc c'est assez marrant. Au moins vous allez pouvoir impressionner vos amis. Et donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit pour ce fameux tutoriel qui est vraiment hyper simple. Et donc voilà, j'espère fortement que ça vous aura plu, mais surtout que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera extrêmement plaisir. Et à venir me suivre aussi sur Twitter et sur Facebook. Les liens se trouvent dans la description. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très bientôt sur ma chaîne. Et ciao tout le monde, bye.